1. Dans le cadre de la mise en application des recommandations issues de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenue le 19 juin 2021 à Accra, au Ghana, une mission de haut niveau conduite par Son Excellence M. Goodluck Ebele Jonathan, ancien président de la République fédérale du Nigeria, envoyé spécial et médiateur de la CEDEAO au Mali, a séjourné du 5 au 7 septembre 2021 à Bamako. 2. Cette mission avait pour but d'évaluer le processus de transition et particulièrement les progrès dans la préparation des élections prévues se tenir en février 2022, conformément au délai accordé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en sa session extraordinaire du 15 septembre 2020. La mission vise également à apporter le soutien de la CEDEAO dans la mise en œuvre effective des actions prioritaires inscrites dans le plan d'action du gouvernement. 3. La délégation du médiateur de la CEDEAO, Son Excellence M. Goodluck Ebele Jonathan, est composée de Son Excellence Shirley Ayokor Botchwe, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République du Ghana et président en exercice du Conseil des ministres de la CEDEAO, de Son Excellence M. Jean-Claude Kassi Brou, président de la Commission de la CEDEAO, du général Francis Awagwe Béanzin, commissaire aux Affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, et du professeur Hamidou Boli, représentant résident du président de la commission de la CEDEAO au Mali. Ont également assisté aux rencontres avec les parties prenantes Son Excellence M. El Gassim Wan, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, chef de la mission multidimensionnelle pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, de M. Mama Sambo Sidikou, chef de la mission de l'Union africaine au Sahel, MISAHEL, de M. Chikezie Nouachoukou, ambassadeur de la République fédérale du Nigeria au Mali, et de Son Excellence M. Napoléon Abdoulaye, ambassadeur de la République du Ghana au Mali. 4. La mission de la CEDEAO a rendu une visite de courtoisie au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et a tenu une séance de travail avec M. Choguel Maïga, premier ministre de la transition, entouré de plusieurs membres du gouvernement. La mission a également eu des consultations avec les membres du comité local de suivi et les membres du corps diplomatique accrédité au Mali. La délégation a eu des entretiens avec les forces vives de la nation, à savoir les acteurs politiques, les signataires de l'accord d'Alger, les organisations de la société civile et les chefs religieux. 5. La mission a félicité le gouvernement pour le calme relatif observé dans le pays depuis la mise en place du deuxième gouvernement de la transition et a pris note de la levée des mesures de restriction concernant l'ancien président de la transition, Son Excellence M. Ban Dao, et l'ancien Premier ministre, Son Excellence M. Mokhtar Wan. La mission a apprécié l'expression renouvelée des autorités de la transition, à respecter la période convenue de la transition devant la communauté internationale. 6. Toutefois, la mission reste préoccupée
par l'insuffisance d'actions concrètes dans la préparation effective du processus électoral. 7. La mission a rappelé l'importance du respect de la date des élections annoncées afin de montrer la crédibilité du processus de transition. Elle a encouragé le gouvernement de transition à présenter rapidement un chronogramme détaillant le calendrier, les réformes et actions prioritaires qu'il urge d'entreprendre pour la tenue des élections présidentielles et législatives. Il s'agit notamment du consensus sur le cadre légal devant servir aux élections, la préparation de la liste électorale, le choix de l'organe ou des organes devant conduire les élections. 8. La mission a invité les acteurs sociopolitiques à travailler ensemble dans cette période de transition afin de garantir la réussite du processus. 9. La mission a réitéré l'engagement de la CEDEAO à accompagner la République du Mali pour une transition réussie. 10. La mission a appelé les partenaires multilatéraux et bilatéraux à continuer de soutenir le processus de transition, notamment dans le cadre de la préparation des élections. 11. Enfin, la mission remercie le gouvernement du Mali pour l'accueil et toutes les commodités mises en place pour la réquise de la mission.